suis quoi? Oh, c'est une BD sur Smallville de Bresson et Dufaux. Qui sont-ils? Dufaux, c'est le dessinateur et Bresson, c'est le scénariste. Il a écrit plus de 40 BD et a gagné beaucoup de récompenses. Ah, d'accord. Et l'histoire, elle évoque quoi? Ça raconte un peu toute la vie de Simone Veil. Ça raconte comment en 1974, elle a fait passer sa loi pour l'IVG, l'intervention volontaire de grossesse. Et ça, alors que toute l'opinion politique française était contre elle, il l'humiliait, il la traitait de nazie. Mais ça raconte aussi, Simone Veil étant juif, comment elle a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration. Ouais. Vraiment, c'est une BD, elle est vraiment bien. En plus, même s'il y a beaucoup de flashbacks, c'est facile à comprendre parce que les auteurs utilisent différentes couleurs. Par exemple, ils utilisent le bleu pour montrer comment en 1974, elle a fait passer sa loi quand elle était ministre de la Santé. Ils utilisent le jaune pour montrer sa vie avant les camps de concentration, sa vie heureuse. Et le noir pour montrer l'époque sombre qu'étaient les camps quand elle était juive. Et pourquoi avoir fait passer ce message par une BD? Parce qu'une BD, il y a des images et on voit directement les personnages qui parlent. Et vu qu'il y a différentes couleurs, il y a beaucoup d'émotions et ça rend la lecture plus attractive et c'est accessible à plus de personnes. Et puis, c'est bien parce que cette BD, elle nous apprend un peu à connaître Simone Veil parce que tout le monde ne la connaît pas et tout le monde ne sait pas ce qu'elle a fait. Et ce qu'elle a fait, c'est quand même important. Et puis aussi, ça nous permet de savoir un peu plus comment une juive ou comment les juifs ont vécu les camps de concentration parce que quand ils en parlent, ben c'est très... t'as l'impression d'être dedans en fait et c'est vraiment bien. Ça nous apprend à nous battre pour nos droits et puis vraiment c'est un livre, je pense qu'il faut que tout le monde le lise pour... parce que c'est un livre qui doit être. Ok, ça a l'air important comme sujet. Tu peux te l'emprunter pour aller chez moi? Merci.